gentlemen. We are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. Eh bien salut à tous, c'est Gamaraz. Aujourd'hui on se retrouve sur The Forest pour l'épisode 1 d'une longue série en solo. Faut le savoir. On va prendre tout ce qu'il y a, on va se remplir l'estomac tant qu'on y est. Voilà, on a l'estomac rempli. C'est bon, on est assez rempli. Au cas où qu'on puisse remonter dans l'avion, on va en garder un peu dans l'avion. Je vérifie bien que j'ai rien loupé. Tac. Ça fait des petits bâtons. Non, ça fait même rien. D'accord. Donc on va commencer par ouvrir les valises. Tac. Après, j'ai déjà vu 2-3 gameplay, j'ai joué vite fait pour voir comment ça marche. On va commencer par ouvrir les valises, ça c'est très important. Toutes les valises. Ok, une balle, on s'en bat les couilles. Un petit lapin. Il nous en faut des petits lapins. Pour manger, c'est utile. À quoi, faut bien se nourrir. Ça, c'est un campement de sauvage. Tout ce que c'est qu'il faut pas rester longtemps là. Il faut pas rester près de là. On est juste à côté d'un putain de camp de sauvage. Alors là, faudrait vraiment se casser vite. Se casser vite d'ici. Voilà, bien. On va se casser par là. Parce que ce jeu est vraiment dur, hein, avec les nouveaux. Les sauvages, ils te défoncent. Super, on va s'installer sur une île. C'est par là que ça descend. Très bien. Donc on va se descendre. On va descendre par là. Tranquille. Et comme ça, on fera une petite cabane sur la côte. On s'est déjà éloigné un peu de ces sauvages. Mais ouais, il n'y a pas trop de signes de sauvages ici. Ça c'est bien. Ça c'est vraiment très très bien. S'il n'y a pas de sauvage, on est tranquille, c'est bien. Donc faut assez speeder au début sur ce jeu, enfin même tout le temps, et on dirait pas comme ça, mais ouais. Donc d'accord, je vais emmener 2-3 trucs de bois sur mon île. Qu'est-ce qu'on va construire? Alors, dans cabane, on va construire ça en premier sur notre île. Ça m'étonnerait que les sauvages peuvent venir. Voilà. Allez, on va chercher ça.
Bon, laisse tomber. On amène les deux là. Hop. Ouais, bah ça avance. Donc le but de ce jeu, c'est de retrouver des survivants sur l'île. Mais moi, avant, je vais faire ma base pour niquer le game. Si, c'est comme ça qu'on fait, en fait. J'essaie une méthode. Si après, genre, ça s'empire, t'as des méga monstres de partout. Au fur et à mesure des jours, ça s'empire. Et moi, je fais ma base tranquille là-bas. Et ben, au bout d'un moment, on va me défoncer quand je vais sortir. Mais je pense pas que ce soit comme ça. Peut-être un peu. Mais pas jusqu'au bout, quoi. Paf. GG. Hop. Douche. Ok, j'ai trop de bâtons. On prend le coup de main. Tac, tac, tac. Il y en a combien sur combien? 8 sur 13. 8 sur 13, ouais. Ça nous en fait un bon paquet quand même à ramener. Chaque fois, je crois que c'est un homme, ça. Allez, j'aimerais bien y ramener avant la nuit. La nuit, je sais même pas où le soleil se couche. S'il se couche là, on est dans la merde. Hop. Il y a un bout de bois qui reste seul là-bas. Du coup, ça, E2 plus celui qui reste seul là-bas, ça en fait 13. Ça en fait 11 et il en reste 2, donc une autre traversée et couper un autre arbre, ça veut dire. Hop, voilà, il est là, celui que j'ai pas, celui que j'ai laissé, enfin que je pouvais pas prendre. Voilà, après lui on devra faire encore une traversée. Wow. Il en a fait 5. Bah, on saurait où en trouver maintenant. Le dernier bout de bois, les gens. Le dernier pour notre première cabane. Et juste au coucher du soleil. C'est magnifique. Alors Z et C. Alors C, c'est pourquoi? Pour sauvegarder. On va sauvegarder sur ça de façon. Et Z. C'est pour dormir, ça. Voilà, j'ai dormi. Et là, il va bientôt faire jour vu que j'ai dormi toute la nuit. Ok, juste un petit bug. J'attends qu'il fasse jour. Ok, par contre, on a vraiment faim là. On va se fabriquer un feu. C'est le prochain truc qu'on se fabrique. Alors, dans le type de feu, on a gros bûcher. Feu avec des pierres qui a l'air vraiment bien. Feu avec ça, ça vaut rien. Mmh. On va prendre ça direct. Oh, presque tout. Des pierres. Ouais, on a deux pierres qui manquaient. Il va falloir trouver de l'eau potable. Ah ouais, on a une mare pas très très loin. Et pour faire cuire des gibiers... faudra un réservoir à gibier. Attends, on en fabrique. Je regarde juste ça. Réservoir à gibier. Enfin non, pas un réservoir à gibier. Un truc où on met les gibiers en fait. Enfin bref, vous m'avez compris. Attends, je vais vous montrer. Ouais, ça passe, ouais, ça passe. Ça passe quand même.
Ça c'est quoi? Attends, 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 parce que ils nous disent rien dessus, hein. C'est des arnaqueurs, eux. Explosif. Weapon, arme. Un élevage de lapins. C'est pas con un élevage de lapins, n'empêche. Bon, allez, on l'allume, hein. Le petit feu du matin. Donc je vais en profiter pour aller chercher les bouts de bois qui nous restent. Hein. Mais c'est une tortue. La violence des gens. Mais ouais. C'est la vie. La nourriture, je la stockerai à côté. Je vais peut-être lancer un projet d'une grande maison à construire. Il y a des petits lapinous de partout. Hein. Tac. Ça fabrique un pied quoi. Et ça fabrique tout le reste naturellement. On va déjà comment, enfin on va direct commencer à construire le reste. On va faire un vrai petit camp, super stylé et tout. Donc oui oui des cabanes sur des arbres. Non ouais, mais attends ça la petite maisonnette ça c'est comme tu veux ça en fait. On va faire la hutte principale là. Genre ou le QG quoi. Moi je peux faire une boîte apparemment et enlever des lapins pour les mettre dedans. Le projet. Voilà. C'est. Ça demande juste 135 en bois. La boîte alors. La boîte à l'épinou magique. On va voir ce que c'est. Mmh. Rabi, cage. Rabi, c'est lapin. Rabi, je crois que c'est lapin, ouais. C'est cage à lapin. Voilà, la petite cage à lapin. Près du feu, comme ça, ça crame tout de suite. Non, je déconne. Ah bah, quoi que on peut. Mmh. Élevage à lapin. Est-ce qu'on pourrait les mettre dedans? Non, attends. On va les mettre plus sérieusement. Ici, je pense. Oui. Oh non, il nous en manque. Soit on fait destruction massive d'arbres, ou soit on fait destruction massive d'animaux pour manger. On en a déjà un truc là. Et je crois que c'est limité, alors on va plutôt faire les arbres. Là, vous le voyez. Et boum. Ils étaient tombés dans l'eau, mais on peut les récupérer. Ah ouais, on va aussi prendre des enfin, pas des brindilles, mais des branches pour faire continuer la cage au lapin. Allez. Complété à plus d'1% déjà. Bon, pour l'instant les sauvages ils nous laissent tranquille hein. Parce que vous avez pas vu les sauvages de The Forest hein. Enfin si peut-être, mais ils font quand même flipper. Voilà, oh. Attends, on va battre un petit dernier arbre. Arbuste. Oh, c'était du gaspillage. Et voilà, c'est pas beau ça. Par contre, en vrai, les lapins, ils se cassent quand ils veulent. Hein.
pour moi. Merde, faut que j'y mette à l'abri. Le petit bout de bois. Attends. Voilà, eux, ils sont... Ils peuvent plus rouler et eux, je les prends. Ok, donc là ça fait juste un truc en vrai, ça se casse la gueule. Mais bon, en absecte. On va en battre encore un arbre. On va faire deux trajets. Allez, allez. Là je perds du temps. Il va faire nuit. Par contre, je sais pas où il va tomber cet arbre. T'as pas le droit. Ah ok, c'est bon. L'arbre ne voulait pas quoi. Oula, il y en a abondamment. Voilà. Voilà. Ça fait plaisir. On mangera demain matin. Hein. Là, on va se coucher. Bah voilà. Allez, on est dans notre petite cabane là, abrité. J'ai presque envie de dire au chaud, mais non. On se les caille. Vous voyez autour. Là, on va faire une petite nuit. Voilà. Et je vous dis tchuss, à plus pour la prochaine vidéo. Tchuss.